Bonjour, bonjour à tous, c'est la Gaming Play. On se retrouve pour une vidéo sur du Mario Kart. On va faire du mode en ligne. On va se connecter donc à internet. Et on fait du mondial pour une course. On en fera des batailles de ballons plus tard, bien sûr. On a pris Link. Et oui, du Link. Le Link est plutôt pas mal, je trouve. Qui est bien fait. La recherche de joueurs qui prend un petit peu de temps quand même, il faut le dire. Il faut pas se le cacher. Et voilà. Donc, beaucoup d'Américains, mais beaucoup d'Allemands. En ce jour où j'ai tourné. Le petit Yoshi Rose. Donc j'ai coupé l'ellipse, bien sûr, ça m'a pas gêné. Link, go. Voilà, partez. Une course sur la route du dragon. Une course sur la route du dragon qui est plutôt pas mal. Et j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. On fait totalement de la merde. J'ai fait totalement de la merde. Et Link est encore tombé. Toujours tombé. Alors il faut le dire quand même que ça fait longtemps que j'ai pas joué à Mario Kart, donc ça peut expliquer ma merde totale de ma maîtrise technique de ce jeu. Voilà. Donc j'ai quand même vraiment quand j'ai quand même une merde dans ce jeu, faut le dire, faut pas se le cacher non plus. Dessia, une française devant nous. Et on a bien sûr, on a eu les 3 champions. On est 3e maintenant. 4e. Dommage. Il y a encore 3 champions. C'est bien les champions. Et on est 2e. Oh oui, 3e. On utilise un petit champion. Le Link, bien sûr. Les champignons qui nous aident et qui nous ont beaucoup aidé quand même. Hein. Faut le dire que le nombre de champignons qu'on a eu, c'est violent. Encore 3 champignons. C'est la vie quoi, On n'est pas rien. Encore 3 champignons, c'est fou quand même. Et on est 3e, 2e. Et j'ai foiré mon saut. Et 3e. Et on est toujours 3e. C'est plutôt pas mal. J'adhère totalement. Et donc on passe à la seconde vidéo. À la seconde course plutôt. Oui, j'ai quand même pratiquement 5000 points. La route du métro. La route métro. Enfin, la métro, un truc comme ça. Et voilà. Et départ foireux. Départ foireux, comme d'habitude. C'est un départ foireux. Et voilà. La banane. Les bananes qui sont lancées. Et j'ai une personne, bien sûr. Dès qu'elle a fait le... Ouais. Et d'accélérer alors que j'aurais pas dû. J'ai fait une connerie absurde hein, quand j'ai fait ça. Hein. Et le champignon. On garde. Quatrième, c'est plutôt pas mal alors que le mec il me lance des boules de feu.
des carapaces rouges avec une banane, avec une bonbon, je veux dire. Et hop, on utilise les champignons pour aller plus vite. Comme ça, ça. On est deuxième. En même temps, on était deuxième. C'était fort joyeux. Et donc, une plante piranha qui me détruit. C'est la vie. Encore un 3 champs pipi. Décidément, notre Mario Kart, j'ai beaucoup de 3 champs pipi, faut le dire. C'est que fois, on n'a rien du tout, mais là, on a tout eu. C'est la logique. Et je suis tombé par le train. Le train qui est foireux aussi. Le train qui m'a défoncé. La petite réflecteur avec des plots qui volent. C'est logique. Et on utilise le dernier champignon pour terminer le niveau devant Donkey Kong. Enfin, derrière Donkey Kong plutôt. Derrière Donkey Kong. Et on atteint même pas les 5000 points. C'est dommage. J'ai cru d'aller atteindre les 5000 points. Dommage. Mais je suis quand même le plus fort. Donc, la piste musicale, un niveau qui était déjà sur la Nintendo 3DS. Dans Mario Kart 7. Vous allez voir, quand même à la fin, j'ai quand même pas de bol. Même si c'est moi qui fais de la merde, hein, faut le dire. C'est moi qui fais de la merde et j'ai quand même pas de bol. Vous allez voir ça après, mais j'ai quand même pas de bol à la fin. La banane qui est dans le cul et qui repose, bien sûr. Les notes de musique qui sautent et qui nous fait gagner de la vitesse. Les petites pièces qui est importante pour accélérer, car les pièces te permettent de gagner de la vitesse. Encore des pièces, c'est plutôt pas mal. Et les piranhas qui s'enjaillent, c'est la logique. Les piranhas s'enjaillent. Et on est toujours premier. Il faut pas se le cacher, on est toujours premier. La petite carapace qui est dans le, qui est derrière le cul. Et on est toujours premier, ben c'est plutôt pas mal. Et on se prend un magnifique bleu dans la tronche. Une carapace bleue dans la tronche. Et bon, j'ai quand même beaucoup d'avance pour personne me dépasse, faut le dire. Et là c'est le fail, je me foire, c'est le fail. Et donc j'arrive deuxième, malheureusement. Et donc je me prends une carapace verte aussi dans la tronche, voilà. Et sauf que je me foire aussi. Et j'ai terminé le niveau en étant cinquième. Ça va dire des... C'est pas trop mal par rapport à ce que j'ai fait de la merde à la fin quand même. Vu la merde que j'ai eu, j'aurais pu terminer les derniers si les autres avaient un minimum de niveau. Parce que là j'ai clairement joué comme la merde à la fin. Et donc on arrive quand même à la fin du niveau. Donc là on se retrouve sur du Splatoon, sur une guerre de territoire. Sur un terrain que vous avez déjà connu. Dans le premier multigame, je vous en ai montré.
Voilà, du Splatoon. Ne vous attendez pas à ce que je fasse un énorme jeu. Parce que j'ai joué comme de la merde, il faut le dire. J'ai un dans Mario Kart et dans Splatoon, j'ai joué de la merde. C'est clair et net, j'ai quand même joué de la merde. Attends. Et je suis mort. Dynamo rouleau. La musique que j'apprécie. Et je meurs. Comme un bêta, hein, il faut le dire. Hein. Je meurs comme un con. On peut se le dire. Et donc sur du Splatoon qui est plutôt pas mal. Et on est mort pour extracteur modifié. On peinture, faut se lever. Sinon j'espère que vous allez bien devant votre écran, que vous vous amusez, que vous êtes posé sur votre canapé, que vous buvez du coca. Ou que vous faites autre chose, mais que je ne dirai pas. J'espère que vous passez bien, que... Voilà. Sur ce, on repasse sur du Splatoon. On recouvre de bleu, parce qu'on est des bleus là, on est les bleus. Et je vais encore mourir, je suis sûr. Ah bah oui, je meurs. Voilà. Toujours pas le même. Il est fort ce gars. Il est fort, il faut le dire. Il est fort. Et on encre de bleu partout. Et hop, je meurs. La vie, quoi. Et donc, il reste encore 10 secondes pour faire... je meurs, voilà. Encore une fois. Comme je vous l'ai dit, je joue quand même vraiment comme une merde. Hein. Il faut le cacher. Faut pas se le cacher, quoi. Je joue vraiment comme un... Bolos de débutant, de service, de tout ce que vous voulez, mais indul. Et donc, on a quand même perdu. Bien sûr. Gagne de territoire, on a un match de terrain, la tour Jirel. Les tours Jirel plutôt. Un terrain que je n'avais jamais fait, que je découvre. Que j'ai découvert pendant que je jouais. C'est pour ça que le niveau je le connais pas très bien aussi. C'est pour ça aussi que je joue quand même un petit peu comme une merde. Parce que je connaissais pas vraiment très bien le niveau. Et hop, je suis sûr que je vais mourir dans quelques instants. Et oui, je meurs. Par le rouleau griffé. Le calamar qui saute d'étage en étage. Oh, il a utilisé le sonar, c'est plutôt pas mal. Et toi, tu meurs? Non, tu meurs pas. Sinon, j'espère que vous passez de bonnes vacances. Et ceux qui sont pas en vacances, bah dommage, ils travaillent. Et eux, j'ai des bons travail alors. Voilà. Joli. Oh yeah, c'est joli. Alors que j'ai rien fait du tout. Hein. C'est la logique, quoi. Là, c'était la compréhension la plus totale. Je voyais pas du tout c'était qui me l'envoyait.
C'est là l'incompréhension. Et je suis mort comme une merde verte. La merde verte. Il reste encore à peu près une minute. Et les vers sont en danger. Ils sont en danger. Et oui, nous avons fait de la merde. On est en danger. Je suis encore mort. Faut dire quand même que, je me suis cassé les couilles à refaire le jeu. Et je suis nul comme un pauvre possible. C'est quand même assez ouf. Donc on entre le maximum de terrain avant qu'on meure. Notre jour de décès. Il reste encore 10 secondes. Bien sûr que je n'ai rien pouvoir faire en 10 secondes. Juste sortir de mon trou à rats. Et voilà. Qui est terminé. 48,4 à 37,6. Galerie territoire, encore un match de terrain, galerie Guppy. Encore une fois, une galerie que vous connaissez encore une fois. On va pas répéter tout le temps, mais ouais, vous connaissez. Du Splatoon. Le Splatoon, un jeu que j'ai préféré et que j'adore. Hein. J'hésite à installer un créneau horaire Splatoon dans mon. Mais. Après je serais trop surchargé en vidéo donc j'hésite encore. Liquidator par Junior. Et ouais. La musique qui change à faut pas se le cacher vraiment. Et là j'ai rien compris ce qui s'est passé. Faut le dire. Faut être clair, concis. Je n'ai rien compris. Le mec a voulu me rouler. Qui a voulu faire mon roue. Qui veut me tuer alors que c'est mon coéquipier, c'est la logique. Et donc, faut dire que si j'utilise pas assez mon pouvoir spécial, le R, c'est dommage. J'utilise pas assez, j'y pense jamais en fait. C'est ce qui est con en fait. Et ils jouent quand même qu'ils sont encore laminés, hein, c'est bon, c'est encore laminé, c'est dommage. Il y a un gars qui est là, et un mec arrive. Je l'ai aperçu trop tard, malheureusement. Il reste encore 50 secondes. Il faut les ancrer d'encre, c'est logique, les ancrer d'encre, pour qu'on puisse reprendre du terrain. Et oui. Et ben non. On meurt quand même. Donc, comment dire, là je suis allé quand même assez vite, hein, faut le dire. Hein. Il faut toujours ancrer sur les parties de zone adverse, même si c'est pratiquement rien, ça peut jouer. Donc là, je reprends du terrain, il reste pas grand chose. Et voilà. Et donc bien sûr, on gagne. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un like.
et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez d'autres vidéos sur du Splatoon ou encore sur du Mario Kart. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Sur ce, ciao.